Bonjour à tous, voici problème additif 6, transformation 3, la suite sur les problèmes de transformation. Voici le schéma qui symbolise les problèmes de transformation. Nous travaillons encore une fois sur les problèmes de transformation. Dans ces problèmes, une collection est transformée. Voyons une nouvelle situation aujourd'hui. J'achète un sweatshirt en solde qui coûte 29 euros. La remise est de 10 euros. Combien coûtait le sweat avant les soldes? Ce problème parle du prix d'un sweatshirt. À la fin, il est de 29 euros. On peut placer la situation à la fin. La fin, dans notre situation, c'est le moment où j'achète. Attention, il faut bien comprendre le problème. Où place-t-on 10 euros? 10 euros, c'est la transformation. Et ici, pour bien comprendre que c'est la transformation, il faut comprendre les deux mots. Le mot solde, que vous connaissez déjà, et le mot remise, qui enferme en fait la traduction du solde sur le prix. Donc 10 euros en moins, c'est bien la transformation. Nous cherchons donc quel était le prix au départ. C'est ça la question. Quelle opération doit-on faire? Attention, la question est délicate. Il faut bien réfléchir. C'est pour ça que je vous parlais des mots qui sont dans l'énoncé. Entre le prix initial et le prix final, il y a eu une remise, des soldes, une réduction de 10 euros. Si je veux retrouver le prix avant la réduction, je dois faire une addition. Le prix avant les soldes était plus grand, c'est logique. Nous allons donc faire 29 plus 10 égale 39. Avant les soldes, le sweatshirt coûtait 39 euros. Aujourd'hui, nous cherchons l'état au début. Je connais l'état à la fin et la transformation. Je cherche comment était la collection au départ. Si la collection au début est plus grande qu'à la fin, je pose une addition. Si la collection au début est plus petite qu'à la fin, je pose une soustraction. Voyons d'autres exemples pour bien comprendre. Combien pesait l'éléphanteau qui a grossi de 127 kg et qui pèse maintenant 549 kg. Ici, on parle du poids de la masse d'un éléphanteau. À la fin, elle est de 549 kg. C'est le poids qu'il pèse maintenant. On peut placer ici notre collection finale. Entre le début et la fin, la transformation a été de 127 kg. C'est le poids qu'il a pris. Il a grossi de 127 kg. 127 kg en plus, c'est la transformation. On cherche donc la collection au départ. Quelle opération doit-on poser? On est dans une situation où le poids avant était plus petit qu'à la fin. On va donc poser une soustraction. 549 moins 127, 422. L'éléphanteau pesait 422 kg. Il a pris du poids, donc le poids qu'il faisait avant est plus petit. On fait une soustraction. Madame Dupont donne à sa fille 25 euros. Chloé a maintenant la somme exacte pour acheter sa console vidéo à 99 euros. Quelle somme d'argent avait-elle dans sa tirelire? Là, il faut bien comprendre. On a Madame Dupont qui donne de l'argent, 25 euros à sa fille. Ici, on parle d'une somme d'argent. À la fin, c'est la situation maintenant où elle a 99 euros. On l'a vu, assez d'argent pour s'acheter sa console. C'est la situation de fin.
La transformation, c'est l'argent qu'a donné la maman, Madame Dupont. Elle a donné 25 euros en plus. Pardon. Avant qu'elle ait cet argent, elle avait donc moins d'argent. Quelle opération doit-on poser? 99 moins 25. Ce qui nous donne 74, et j'ai réparé ma gorge. Au départ, Chloé avait 74 euros dans sa tirelire. À vous de jouer, voici la dernière situation. Je viens de finir un joli bouquet de fleurs, composé de 45 fleurs. Parmi celles que j'ai ramassées, j'en ai jeté 14 qui n'étaient pas jolies. Combien ai-je ramassé de fleurs? Si vous êtes à l'aise, vous appuyez sur pause. Je vous dis quand même que on ne ramasse pas des fleurs. Et surtout, on ne les jette pas quand elles sont pas jolies. C'est pas bien. Donc là, c'est juste un problème de mathématiques. Mais je n'encourage pas du tout ce que raconte ce poème. Voilà, cette petite précision faite, vous pouvez vous mettre au travail. Sinon, on va analyser un petit peu ensemble avant d'appuyer sur pause. Ici, on parle de fleurs, d'un nombre de fleurs. À la fin, il y a 45 fleurs. Je place ma collection de fin. Entre le début et la fin, la transformation a été de 14. 14 fleurs en moins. J'en ai jeté 14. J'en avais donc ramassé plus que ce que j'ai à la fin. Voilà ce que l'on cherche. Je vous ai donné tous les indices. Vous pouvez appuyer sur pause pour chercher. Je poursuis avec la correction. Quelle opération doit-on poser? 45 plus 14, 59 fleurs. J'ai ramassé 59 fleurs, ce qui est logique. On a ramassé plus de fleurs, on en a écarté quelques-unes, il nous en reste 45. À bientôt pour un nouveau diaporama.